Salut à tous, c'est Belguy. Salut à tous, c'est Belguy. Pourrait pas être un peu plus viril? Salut à tous, c'est Belguy. C'est mieux comme ça? Mouais. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de devenir papa. Si j'ai un conseil à donner aux futurs parents, profitez de l'année qui précède pour dormir 23 heures sur 24. Parce qu'un bébé n'est pas programmé pour dormir pendant les 3 premiers mois. Fini les dodos. Pourquoi mon bébé ne dort pas? Peut-être parce qu'il vient de dormir 9 mois dans le ventre de sa mère? Ouais, c'est pas con ça. Il faut mieux prévenir les parents. Attention! Un bébé nuit gravement au sommeil. Et quoi, tu veux qu'on mette des avertissements sur les enfants, comme sur les paquets de cigarettes? Endormir un bébé, mais c'est pratiquement impossible. Une chanson douce que me chantait ma maman. Que me chantait ma maman. Oh, supplie, aie pitié de ton père. On a tout essayé. Il y a un moment donné, t'as tellement tout essayé que tu deviens dingue. Tu veux que papa et maman divorcent, c'est ça? Tu veux une voiture à 18 ans ou pas? Soit tu dors, soit je bute ta grenouille. Stupéfixe. Il n'arrête pas de pleurer. Il n'arrête pas. Jamais. Le jour, la nuit. Jour. Mais finalement, on a trouvé la technique. Le mettre dans le porte-bébé. Le prendre contre soi. Se secouer. Non, pas comme ça. Plutôt comme ça. Apparemment, quand on se secoue comme ça, ça le calme. Lui, ça l'apaise. Et quand enfin il s'est endormi, il faut le déposer dans son lit sans le réveiller. C'est un petit peu comme si vous aviez une bombe entre les mains. Si je peux donner un conseil aux futurs parents, suivez un entraînement ninja avant d'être parent.